Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour, oui, madame, on vous entend. Très bien, merci. Alors donc, suite à ce qu'on a fait déjà l'autre fois, donc il ne faut pas oublier que puisqu'on traite les données sont présentées sous forme matricielle, donc il faut quand même maîtriser quelques opérations sur les matrices. D'accord? On va faire juste un petit rappel parce que comme on a vu en cours, à partir de la matrice donnée, on peut extraire deux nuages de traitement sur lesquels on peut faire après la CP. On a le nuage des individus, on a le nuage des variables. Nuage des individus, donc, est constitué par les individus, nuage des variables est constitué par l'ensemble des variables. Donc, ce qui veut dire qu'il faut savoir extraire les individus, qui représentent les vecteurs lits de la matrice donnée. Aussi, il faut savoir extraire les vecteurs, les colonnes, les vecteurs colonnes qui représentent les variables dans la matrice des données. D'accord? Après, on va voir, bien sûr, comment calculer la variance, l'écart-type, le centre de gravité. Et je vais vous donner quelques exercices sur lesquels vous allez donc travailler et préparer pour la prochaine fois. Donc, rapidement, je vais essayer de vous partager un petit document. Donc, essayez quand même bien sûr, d'allumer vos machines.
Donc, tout d'abord, il faut savoir déclarer, donc certainement vous le connaissez, vous savez faire ça, déclarer une matrice, d'accord? Donc, à partir de la matrice donnée, je vous donne une matrice, essayez donc d'écrire le fichier ou bien déclarer la matrice. À partir de cette matrice, essayez d'extraire les vecteurs colonnes et les vecteurs lits, d'accord? Bon, la matrice, on peut la représenter par, donc, toujours en utilisant le module NumPy. Par donc la commande array, vecteur ou bien matrice ou bien des données, tableau, qui représente aussi un tableau de données. Parce que un vecteur, donc, c'est juste présenté sous forme d'une liste ou bien sous forme d'un vecteur. Et une matrice, c'est un ensemble, comme vous pouvez voir sur cet exemple. Vous remarquez bien qu'il y a trois listes, ça veut dire trois données. Autrement dit, un tableau constitué de trois données qui sont trois vecteurs. Chaque donnée, chaque liste représente un vecteur lit, d'accord? Ou bien par la commande aussi mat, qui veut dire que matrice. Donc là, certainement vous connaissez comment écrire une matrice, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors le module, est-ce que vous avez vu le module statistics? Parce que donc, les fonctions qu'on a vues en analyse donnée, la moyenne, le centre de gravité, bon, le centre de gravité, c'est un vecteur de moyenne. Donc, le plus important, c'est comment on calcule la moyenne, l'écart type, la variance, corrélation et tout. Il y a donc des fonctions qui sont prédéfinies comme la moyenne et l'écart type, la variance. D'accord? Alors, pour accéder à ces fonctions, en général, on utilise le module de statistics. Est-ce que vous le connaissez? Non, madame. Ah, non. Très bien, donc il faut faire appel au module statistics qui même dit import math et tout, NumPy. On peut faire donc import statistics, d'accord, qu'on peut utiliser sous forme asstat. On peut donc l'interpréteur, donc on peut appeler le module statistics. À partir de ce module-là, il y a donc il y a des fonctions prédéfinies qui nous calculent la moyenne, l'écart type et la variance. D'accord. Donc, essayez sur votre machine pour faire quelques exemples. Bah, notez que je vais vous donner donc un exercice. Donc, import statistics asstat. La fonction prédéfinie, la commande qui vous permet donc de calculer la moyenne, c'est stat.me. Il faut déclarer donc bien sûr le vecteur parce que n'oubliez pas la moyenne, la variance, la corrélation et tout se calcule l'écart type. Reconnaît ce calcul sur les vecteurs, sur les variables. Une variable, c'est un vecteur, donc pas de problème. Il suffit donc juste de définir le vecteur, déclarer le vecteur, ensuite faire appel à ces fonctions prédéfinies qui sont statmin, elle nous calcule la moyenne. Il y a aussi donc les matrices à côté de la forme, donc on ne peut pas passer. La transposer, bien sûr, on a besoin après je vous regardez, on a un exercice. Je vais revenir après sur c'est ça. Alors, anastat.mi qui calcule donc la moyenne, anastat variance qui calcule la variance, ou anastat.scdev, elle calcule l'écart type. D'accord? Donc, essayez s'il vous plaît d'essayer de manipuler ces petites fonctions-là. Ensuite, on va sur les exercices. Donc, vous faites appel au module statistics, donc import statistics. D'accord? C'est ça? D'accord? Import statistics as stat. Ensuite, déclarer n'importe quel vecteur et essayer de voir pour calculer la moyenne, la variance et l'écart type. Donc, on a stat.min, la moyenne, stat.variance, la variance, et stat.stdev, c'est l'écart type. C'est bon? Vous avez vos machines? Vous êtes en train de faire l'exemple? Madame, Non. تقدري تبعثي لي في شي باسكو فتيني شوية Non.
الفيشي وورد هذا تقدري تبعثيه لنا؟ اي وي دوك بعد دوك نبعث لكم جست ندير لكم باك لي بيز ابل رابيد باش تشوفوهم نبعث لكم سميتو باش نبعث لكم على جال ليكزيرس لي زيكزيرسيس وي داكور نبعث لكم داكور اوكي Parce que là, j'ai commencé au début. Bon, donc j'ai commencé par le mot du statistics, du mot que vous ne connaissez pas, parce que j'aurais aimé. Là, on va revenir en haut pour faire l'extraction des vecteurs colonnes et l'extraction des vecteurs lignes. L'extraction des vecteurs colonnes, l'extraction des vecteurs lignes. T'as un forum? Non, madame. Comment extraire les vecteurs colonnes, comment extraire les vecteurs lignes? Autrement Vic dit, Victor les normal, blindex, Victor quoi. Eh oui, c'est la narfe, oui. Parce que c'est dans le sens que là, si on connaît l'extraction des vecteurs colonnes, c'est-à-dire si on vous demande de décrire une fonction qui vous définisse le nuage des variables, ça veut dire c'est l'ensemble des vecteurs colonnes, l'ensemble des variables. Définir le nuage donc d'individus, c'est l'ensemble des vecteurs lignes. D'accord? Donc il faut savoir extraire les vecteurs lignes, savoir extraire les vecteurs colonnes qui représentent les deux nuages sur lesquels on va travailler, qui sont le nuage des individus et le nuage des variables. Très bien. Donc pour la transposer d'une matrice et tout, comme la même chose, tu as Alfoura? Allô? Ah, ma madame. Transposer d'une matrice, vous mettrez. Ah, transposer d'une matrice? Oui, madame. Transposer, donc très bien. Les vecteurs, les valeurs propres, les vecteurs propres? Là, là. Ah, dit très bien. Donc, parce que ça ne fait pas partie de ce que vous utilisez dans les autres modules, ce n'est pas grave. Donc, justement, pour revoir donc, un exemple sur lequel on doit calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. La même chose pour les vecteurs propres et les valeurs propres. On va faire une commande qui est liée linearalgebra.eigenvalues. Donc, là, elle détermine les valeurs propres. Si on veut les vecteurs propres, il y a donc juste une instruction à écrire. Maïs, donc, nous allons étape par étape, Maïs. Je vous donc tout de suite qu'on a donc il faut noter bien combien sur le fichier donc il faut voir tout d'abord comment calculer la moyenne nous les vecteurs propres valeurs propres c'est pas grave puisque j'ai commencé par c'est l'exercice après donc il faut pas oublier donc comme le module maths comme module NMP comme tel module statistics. D'accord, statistiques. Donc, on a avec une fonction statistique, oui. Avec import statistics as stat. Qui mène NP as NP, statistics en général as stat. Et donc, grâce donc, à ce module-là, on peut donc utiliser les fonctions prédéfinies qui sont la moyenne, la variance, l'écart type. Donc, ici, s'il vous plaît, d'importer statistics. On va déclarer un vecteur et essayer d'appliquer ces d'appliquer les fonctions. StatMin, stat.min, stat.variance et stat.stdef. Alors, vous voulez que je vous les envoie tout de suite? Alors, Mohamed Ali, une page statistiques à stats min 1, donc 1, stats moins 2, stats variance, stats var, 11 moins 2, 8, stats, très bien, et stats. STDF, STDF, l'écart type. Et c'est comme l'écart type. Donc, les fonctions prédéfinies, bien sûr, après, quand on va travailler sur matrice des données, on a besoin de la variance, on a besoin d'écart type, et on a besoin du centre de gravité qui est constitué
N'oubliez pas la zone de gravité, qu'on a un vecteur qui est constitué de la moyenne de chaque vecteur colonne, de chaque variable. Donc, bien sûr, Hadi, elle vous calcule la moyenne, tu as un vecteur, tu as une seule variable. Mais il faut déclarer, bien sûr, le vecteur qui va rassembler toutes les moyennes, tu as toutes les variables de votre matrice de données. Mais après, c'est rien, c'est juste une instruction, déclarer un vecteur. Très bien. Alors, pour les autres, s'il vous plaît, vous êtes avec nous? Les autres, s'il vous plaît. Oui, très bien. Essayez donc de faire, essayez de partager moi, s'il vous plaît. Essayez de travailler, de partager donc les résultats sur le chat. Amaïs. Oui, il y a il y a aussi Median. Median, elle ne va pas vous. Elle va pas. Si vous faites la différence, alors qu'est-ce qu'elle vous a donné, Median? Médiane, c'est pas la moyenne, d'accord? Elle vous donne une autre fonction. Oui. D'où sort le moins 1? ST, variant, ST, 5, moins 1, t'as le moins 1, Ada? Ah, la médiane, d'accord. Ouais. Très bien. Oui, donc c'est une autre. De toute façon, après, vous pouvez bien sûr. J'ai extrait les fonctions de l'ISHROHOM. Sinon, bien sûr, vous qui même module maths, vous pouvez toujours avoir le contenu grâce à Help. D'accord? Mais en général, il y a les fonctions qui nous intéressent. Donc, parce qu'en statistique, il y a beaucoup de. Statistique, les fonctions. Après, on va s'intéresser aussi à la distance qui 2, je n'ai pas encore défini, je vois après, chapitre 2, mais ça quoi. On aura besoin aussi de cette matrice, de cette fonction. Très bien. Pour les autres, s'il vous plaît, vous êtes avec nous? Alors, c'est qui, Hada? C'est Abdelrahman Amir, oui. Belash. Oui. Stade Valion, Stade 2.0. AT, c'est ça. AT, c'est la matrice transposée. Très bien. Alors, avant d'arriver à cet exercice, alors un petit rappel rapidement sur les valeurs propres et les vecteurs propres. La fonction, donc, là, regardez s'il vous plaît. Alors, donc, détermination des valeurs propres et des vecteurs propres. Bien sûr, il faut savoir quelques valeurs propres et vecteurs propres. Ça, c'est clair et net pour un exercice. Parce que là, j'ai choisi comme matrice, c'est-à-dire quelques matrices sur lesquelles on va juste faire des petites manipulations. Mais bien sûr, après, la prochaine fois, ou bien on part à la deux que je fous, la prochaine fois, on fera bien sûr un exercice sur lequel on va faire les calculs manuellement. C'est-à-dire, il faut savoir aussi calculer valeurs propres, vecteurs propres. Parce que, comme on l'a fait dans l'exemple précédent en cours, les axes principaux, parce qu'il ne faut pas oublier l'examen, donc il faut travailler, donc il faut savoir calculer valeur propre. Mais si on a une matrice donnée de taille énorme, d'accord, 5 ou 6 ou 7 variables, 8 variables, la matrice de corrélation entre dimensions 4, 5 ou 6 ou plus, 10 par exemple, bien sûr, le calcul de valeur propre, vecteur propre, ce n'est pas évident du tout de le faire manuellement. Donc, l'index, ça va s'adapter bien avec les TP. Donc là, on a pour chercher les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Tout d'abord, si on veut seulement les valeurs propres, suivez-moi s'il vous plaît, l'insérer les valeurs propres.
dans un exercice, il faut savoir ce qu'il faut faire. Si on a besoin juste des valeurs propres, là, on peut utiliser seulement une seule commande, hier again vals, donc les valeurs propres, d'accord. Parce qu'il y a une deux. Bon, Hadi, elle me détermine. Ok, tout d'abord, la détermination des valeurs propres et vecteurs propres en même temps. Donc, pour déterminer une matrice donnée X au départ, pour récupérer ses valeurs propres et ses vecteurs propres, je donne un nom aux variables. Nordos miha valp, valeur propre, vecteur, c, vecteur propre. Sinon, Nordos dehne, au lieu de valp, par exemple, annonce en valeur propre, par exemple, une lettre D, une variable, grand D, vecteur propre, grand V. Je lui associe juste une variable, des variables. La commande qui m'intéresse, c'est MP, linear algébrique, point egg. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire la commande? Elle va me récupérer les valeurs propres et les vecteurs propres. Ensuite, pour donc déclarer, pour retrouver les valeurs propres, je fais appel à Valp. Trilogy, donc le vecteur des valeurs propres dans l'ordre. Première valeur, deuxième valeur, troisième valeur. Valeur propre, vous remarquez bien qu'elles ne sont pas triées. On va dire que l'ACP, on peut bien sûr chercher valeur propre ou dire une instruction qui me permet de trier dans un ordre décroissant. Parce qu'on sait, pour les axes principaux, on a tout d'abord le vecteur propre, la première composante principale est toujours associée à la plus grande valeur propre. Donc, après l'ACP, réduire valeur propre, c'est une instruction qui va me les trier dans un ordre, ou la même chose, mais dans une seule, en train de dire, la première instruction, dans un ordre décroissant, parce qu'après, on a le vecteur propre. Donc, aide l'instruction, aide la commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me cherche les valeurs propres, Hamlik, la matrice de Helco, dimension 3, donc fait à 3 valeurs propres, automatiquement, 3 vecteurs propres. On va être avec, je fais appel au vecteur propre, qui va être comme si un vecteur propre, ou là pour abréger, t'as un autre nom pour la variable, grand V, ou un grand D, peu importe. L'essentiel pour vous, vous le déclarez de la commande, c'est-à-dire le premier correspond à valeur propre, la deuxième variable correspond au vecteur propre. C'est dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en général, la recherche des vecteurs propres est associée aux valeurs propres. Tout d'abord, donc, on détermine les valeurs propres, je traduis les vecteurs propres. Donc, la première variable traduit les valeurs propres, je fais appel à la deuxième variable, traduit l'ensemble des vecteurs propres. Ce qui est bien, c'est que, il faut bien savoir ça, c'est que elle me récupère dans 3 vecteurs propres. La termination des vecteurs propres, d'accord, sont les vecteurs colonnes. Maintenant, le premier vecteur propre, il se lit en colonne, il ne se lit pas en ligne. La présentation, l'affichage des vecteurs propres se fait en colonne. La présentation est très, très importante. Madame, je vous vois. L'exercice, je vous vois. Donc, là, vecteur propre, le premier, comme ça, vecteur colonne. Deuxième vecteur propre, deuxième vecteur colonne, troisième vecteur propre, troisième vecteur colonne. Donc, le premier vecteur propre est associé à la valeur propre moins 2. Dans l'ordre, le deuxième vecteur propre est associé à la valeur propre 7. Le troisième vecteur propre est associé à la valeur propre 13. C'est dans ce sens-là. D'accord? C'est comme ça qu'on termine les valeurs propres. Alors, donc, comme Hadi, il y a une autre instruction, une autre commande. C'est que, ou là, les valeurs propres sont passées par les vecteurs propres, qu'une la commande MP linear algébrique, eigenvals. Eigenvals, ça veut dire les valeurs propres seulement. Ça, tu vois qu'elles sont vals, maintenant les vecteurs propres et les valeurs propres. D'accord? Donc, là, pour appliquer, je vous donne tout de suite la matrice. Aïe, c'est ça. Regardez, Hadi, vous voyez cette commande? Aïe, linéaire, donc vous remarquez kiff, linéaire algébrique, eigenvals. Maintenant, les valeurs propres seulement. Traduit donc le vecteur propre. Mais en général, on s'intéresse aux valeurs propres, vecteurs propres, l'instruction, la commande est hiyahadi. Linéaire alg.eig. D'accord, vous suivez? Alors, une petite application donc. Prenez donc là, parce que là, c'est comme un exercice là. Aïe, un peu comme un exercice. Vous me suivez, s'il vous plaît?
Oui, madame. D'accord, très bien. Avec cet exercice, je vous donne donc une petite matrice. Donc, on a juste le premier exemple. Mais allez, je crée une matrice dimension 3. Après, on verra des matrices à dimension élevée. Donc là, une petite matrice dimension 3 fois 3. On vous demande tout d'abord de déclarer la matrice. D'accord. Chercher sa transposée. Extraire le vecteur ligne, vecteur colonne. On va maintenant vérifier que V égale moins 1, 0, 1 est un vecteur propre de la matrice. Maintenant, vous remarquez bien qu'on vous demande de vérifier. Donc, il faut faire une petite opération. Madame, je vous dans quel sens? Donc, c'est juste donc, un petit exercice qui rassemble ce que vous connaissez. D'ailleurs, je préfère. De vérifier. On verra. Vous allez voir pourquoi je vous ai demandé de chercher. Comment on vérifie? Donc, je peux rajouter, après vérifier, je peux rajouter, extraire les valeurs propres, le vecteur propre de cette matrice. On pourra ajouter des questions, Manish, de toute façon, ça fait partie de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, déterminer, vérifier. On peut commencer par la question vérifier, comme on peut aussi déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés. D'accord, valeurs propres et vecteurs propres associés aux valeurs propres. Très bien. Vous voyez, s'il vous plaît? Vous voyez donc l'exercice à Kuchufu? Oui, très bien. Donc, essayez de travailler, s'il vous plaît. Donc, sur cet exercice, déclarez donc la matrice X. Cherchez sa transposée. Extraire les vecteurs lignes, les vecteurs colonnes. Première, donc, là, on peut commencer par les valeurs propres. Allez, j'ai les questions, les deux dernières, elles sont... Elle a juste une petite idée de la vérification. Elle a une petite idée. Donc, vous pouvez commencer par les termes valeurs propres. On va aller à la cinquième pour expliquer qu'elle a une petite idée. Il faut la connaître. Très bien. Essayez de travailler, donc, s'il vous plaît.
Allô, vous êtes en train de travailler, n'est-ce pas? Madame. Oui. Allô, vous êtes en train de travailler? Oui, madame. Alors, donc, oui, alors que vous avez commencé à travailler, alors on a X, donc la matrice, oui, X transposée. Bien sûr, alors que vous X transposée, comment on peut s'y mettre X point grand T, hein? C'est équivalent. Donc, vous X point transposée, ou bien vous X point grand T. Grand T, ça veut dire c'est transposé, il faut dire comme la transposée de la matrice, hein? Donc, les deux commandes, elles sont correctes, transposées ou bien grand T par en abrégé, reductible X grand, point grand T, transposée comme matrice, donc transposée. Alors, X0, donc XI en général, c'est l'indice.
0, 1, 2. Donc, on a pour extraire la 0, la dernière. Oui. D'accord. Donc, 0. Colonne 1. Oui, 3, 11. XT, c'est ça. Donc, XT, traduction matrice. C'est ça, très bien. FL, ça là. D'accord. D'accord, allez, X2, oui. Oui, X, c'est ça. Alors, pourquoi je vous ai dit, en général, il y a une petite idée, c'est que, Kinhalojo, les vecteurs lignes, comme bien sûr, la X l'indice, très bien. Traduit les vecteurs colonnes. Alors, X2, X, c'est vecteur ligne, vecteur, oui, pour les vecteurs colonnes. X0, X1, 2, oui. Ah, c'est ça, c'est ça, très bien. Il y a aussi une autre façon d'extraire les vecteurs colonnes. N'oubliez pas, en là, je crois qu'on va transposer de la matrice. C'est juste pour attirer votre attention sur un point. C'est que quand vous faites la transpose d'une matrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les lignes, hein, au déroulé, les colonnes, n'est-ce pas? Donc, si j'ai une matrice donnée, la transpose de H, c'est quoi? Les lignes deviennent les colonnes, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, quand je vais extraire les colonnes de la matrice X, ce qui revient à faire quoi? Ce qui revient à prendre quoi? Reprenez la transposée, regardez une matrice, sa transposée, les lignes deviennent les colonnes. Inversement, les colonnes deviennent des lignes. Donc, nous regardons aussi les lignes de la transposée qui vont représenter les colonnes de la matrice initiale. D'accord? C'est pour ça que comme donc Hasbou XT, la transposée, c'est juste pour attirer votre attention sur ce point-là, pour faciliter. Bien sûr, comme vous l'avez fait, ce n'est pas faux, mais avec le crochet en précisant bien sûr les colonnes. Aussi, il y a une autre façon, nous avons toujours la notion d'aligner les indices facilement, même développer deux points et tout. Nous avons la transposer à la matrice. Ensuite, XT 0, XT1, XT2, un vecteur colonne, parce que tout simplement, matrice transposée, ça veut dire les colonnes de la matrice initiale deviennent les lignes. Donc, ce qui revient à extraire les lignes de la matrice transposée. D'accord? C'est ça. On a extraction de la matrice, les lignes. Donc, on a XT0, c'est les lignes. Donc, on a XT.0 pour Adam, ça veut dire que vous extrayez le premier vecteur colonne de la matrice initiale. Parce que, la matrice transposée, ça veut dire que j'ai extrait donc les vecteurs colonnes. D'accord? C'est pour ça que j'ai rajouté les cas transposés. C'est juste pour attirer votre attention sur ce point-là. D'accord? Très bien. Donc, pour les vecteurs propres, alors, j'ai remarqué. Alors, hein? OK, c'est ça. X, vecteur colonne, valeur propre, vecteur propre, oui. Un pilier N, oui. Belage. Alors, Belage, oui. Vel, Val, donc, il m'a dit comment la valeur propre, vecteur propre, on a pour abréger. Par exemple, un grand D, un grand V, valeur ou la grand V, c'est-à-dire pour séparer VP ou là, comme vous voulez. Ils sont certes un autre là. Donc, Val, oui. Valeur propre, vecteur propre, oui. Donc, les valeurs propres sont 2, moins 2, 7, 13. Les vecteurs propres, c'est ça. Très bien. Donc, Nalkéti, moins 0,8. Elle fait, j'ai appris notre matrice.
Oui, la transposée, j'ai appliqué la transposée. Eh, très bien. Tu l'as appliqué sur une autre matrice, oui. Parce que je vois d'autres valeurs. OK. Fell, alors, Abdelrahman. Print, vecteur, ligne. Oui, alors. C'est ça. Il y a aussi, là où c'est-à-dire la ligne. La ligne, oui. Aussi, il y a une autre façon aussi. Il y a une autre façon de présenter un vecteur colonne, elle est très intéressante. C'est que quand vous précisez, regardez, quand vous extrayez, par exemple, le vecteur colonne, deuxième vecteur colonne, suivez-moi, si vous extrayez le deuxième vecteur colonne de la matrice, qui est 2, 11, moins 7, vous voyez, head de la matrice, 2, 3, 11, moins 7, on veut extraire le deuxième vecteur colonne. Qu'est-ce que ça revient à faire? Ça revient à lire le deuxième coefficient, d'accord, du premier vecteur ligne. Deuxième, donc ça veut dire il s'agit de lire toujours la position 2 de tous les vecteurs ligne. N'est-ce pas? Alors, c'est juste une petite idée. C'est bien de quand même de voir les choses de différentes manières, d'accord? Vous me suivez? Vecteur colonne, vecteur oui, T1, T2, VPT. Très bien. RLS, la transposée, vecteur propre. Alors, on a 1, 2, oui, vecteur ligne. 3, vecteur propre, avec vecteur propre, 7, 13, val propre, OK? Je suis suite exacte comme vous. On est à Maïs. C'est ça. Donc, un début qui serait très bien, vous maîtrisez l'extraction des lignes des colonnes. Donc, vous rajoutez juste la valeur propre, print, transposée. On est à vecteur ligne, vecteur colonne. Colonne 1, colonne 2. Très bien. D'accord. Il y a donc juste une autre façon comme de voir les choses, qui maintenant il y a donc pour extraire une colonne, ce qui revient à lire la position de défiler comme les lignes, extraire le numéro I. Par exemple, je veux la troisième colonne, ce qui revient à lire toutes les lignes et extraire le troisième coefficient de chaque ligne. Ça va me présenter un vecteur colonne. Il y a donc une petite instruction à écrire, c'est Heilig. Donc, row I. For row in x. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous extrayez la ligne, un ligne, i, pour chaque ligne de la matrice x. Donc, Hadia, c'est une autre façon aussi d'extraire le vecteur colonne. Donc, je mets ça en. Donc, ce que vous avez fait correct, bien sûr. Donc, ou bien par la transposée, ou bien par les indices, ou bien par cette instruction. Donc, tout, Hadakamen, c'est la même chose. Très bien. Alors, maintenant, regardez, vous avez extrait donc les valeurs propres, les vecteurs propres. Alors, supposons qu'on ne vous demande pas d'extraire les valeurs propres, vecteurs propres, on vous demande juste, je vous donne une matrice, et je vous demande de vérifier est-ce que le vecteur V, qui maintenant, donc il faut voir les choses autrement. Rajouter le vecteur propre, rajouter les valeurs propres. Très bien. Supposons qu'on ne vous demande pas d'extraire les vecteurs propres, valeurs propres, on vous donne juste un vecteur. Et on vous demande de vérifier est-ce que V est un vecteur propre de la matrice X. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a vu en cours? Regardez sur un TP, c'est une application, c'est l'occasion pour bien comprendre les choses et illustrer les idées qu'on a vues en cours. Qu'est-ce qu'on a dit en cours? Qu'on a pour une matrice X, n'importe quelconque, Anna, par exemple, supposons que lambda est une valeur propre, n'est-ce pas? Qu'on a pour chaque valeur propre, qui a un vecteur propre, n'est-ce pas? V. Alors, je peux vous expliquer Naya, rapidement. Donc, on a Naya, P1, valeur propre, val 1. Supposons que val 1 est une valeur propre, n'est-ce pas? Pour val propre, donc, qu'est-ce qu'il y a? Une chose est sûre, que Kain, on a un vecteur propre.
un vecteur propre, n'est-ce pas? Un vecteur propre 1. Alors, dire que vecteur V, hada, V1, c'est mes V1 en classe, pour simplifier la tâche. Supposons que V1, d'accord, est un vecteur propre de la matrice X. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Je finis en cours que pour que V1 soit un vecteur propre de la matrice, associé à la valeur propre Hadi, c'est mis à L1, pour ne pas trimballer avec les L1, si seulement si, où je connais, si seulement si, elle doit vérifier quoi? Elle doit vérifier donc AV, c'est-à-dire la matrice grand X, n'est-ce pas? Fois le vecteur V1 égale à quoi? Égale la valeur propre fois quoi? Fois le vecteur propre, n'est-ce pas? On a produit. Je finis le cours qu'on a appelé tout un vecteur donné. Est une, donc V1, V est un vecteur propre pour la matrice X associée à la valeur propre, si seulement si il vérifie cette égalité-là. La matrice fois le vecteur égale la valeur propre fois le vecteur propre. Donc, matrice fois vecteur, n'oubliez pas, est un vecteur. Une valeur fois un vecteur est un vecteur. Égalité entre deux vecteurs revient à, bien sûr, à vérifier, c'est-à-dire l'égalité entre composante par composante. C'est clair? Donc, c'est par définition. Parce que vous ne pouvez pas vérifier est-ce que ce vecteur est une valeur propre pour la matrice, est-ce que c'est un vecteur propre pour la matrice associé à une valeur propre quelconque, si vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire un vecteur propre par définition. N'est-ce pas? Vous me suivez? Oui, très bien. Donc, là, pour vérifier que ce vecteur est une valeur propre, tout simplement, ça revient à vérifier quoi? Il faut écrire la condition à vérifier. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Alors, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Qu'est-ce que vous allez vérifier? Allô? Allô, vous êtes là? Oui, on fait matrice X fois V. Oui, on fait X fois V, oui. Faire le produit matriciel, X fois V doit être égal à quoi? À quoi exactement? Allez-y. Fois V fois les valeurs propres. Regardez, je sais qu'on a plusieurs valeurs propres. Est-ce qu'on a une seule valeur propre? Égale constante, qui m'a dit Fatima, Apsi. Donc, x fois v égale une constante fois le même vecteur v. Donc, ce qui revient à calculer x fois v et vérifier est-ce qu'il s'écrit une constante fois v, fois le même vecteur v. Alors, si le x, le produit x fois v égale à la constante fois le même vecteur v, elle dit que la constante, ça veut dire c'est une valeur propre. D'accord. Alors, on a fait la question, Hadi. On peut faire les choses de deux manières. Supposons que on a les valeurs propres. De quoi comme qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous avez déterminé les valeurs propres. Hadi, la solution est facile. La plus importante. Supposons donc qu'on a les valeurs propres, on a les vecteurs propres. De quoi comme l'idée comment il faut faire pour vérifier que Hadi est un vecteur propre, puisqu'on a les données, elle est là de côté. Deuxième solution, supposons que je n'ai pas calculé les valeurs propres, je n'ai pas calculé le vecteur propre, on a été compte de vérifier quel est le vecteur propre. Donc, l'idée, c'est que vous faites le produit matriciel x fois v et le vérifiez à v. Est-ce qu'il est égal à une constante fois v? S'il est égal, s'il s'écrit sous forme une constante fois vecteur v, ça veut dire que v est un vecteur propre de la matrice associé à la constante trouvée. Vous me suivez? Autrement dit, vous allez avoir ça, vous allez vérifier ça. X fois V, est-ce que est égal à une constante C fois V? C'est la question qui se pose. Le même vecteur. Qui vérifie Hadi? D'accord, quand je vérifie ça, ça veut dire que le vecteur V est un vecteur propre de la matrice X associée à la valeur propre C. C'est ce que je dois vérifier. Vous voyez?
Hada. Hadi, c'est dans le cas où on vous donne pas, donc on vous donne pas les valeurs propres, on vous donne juste un vecteur et on vous demande de vérifier est-ce que c'est un vecteur propre. Donc, qu'est-ce que la vérification? Nous, la deuxième solution, c'est que supposons que j'ai les valeurs propres, j'ai les vecteurs propres, qui veut dire que je vérifie que ça est un vecteur propre. Hadi, ça va être facile de comprendre comme après, mais je préfère en général l'exercice que j'ai donné la série, les examens, les séries, c'est que Hadia, je donne une matrice, je donne un vecteur et on vous demande de vérifier que Hada est un vecteur propre. Donc l'idée, c'est que en se basant sur la notion, la définition qu'on a vue en cours, c'est que tout vecteur propre doit vérifier cette égalité. Qui m'a donné la fleur? Et la matrice fois le vecteur égale la valeur propre fois le vecteur. C'est parce que si un vecteur ne réalise pas cette égalité-là, il ne s'agit pas d'un vecteur propre. OK? D'accord? Vous me suivez? Oui, c'est bon maintenant. L'idée, c'est bon. Donc, Hadi, c'est la première idée. Donc, essayez de le vérifier rapidement. On va aller avec la deuxième idée, c'est que on a les valeurs propres, on a les vecteurs propres. Une simple vérification avec ça, donc on retrouve les équations. Mais là, supposons que on a les valeurs propres, on a un vecteur, et on vous demande de vérifier que c'est un vecteur propre de la matrice. Donc, faites une petite vérification, s'il vous plaît. Donc, en se basant sur ce produit, hein, on ne se base pas sur les résultats trouvés tout à l'heure. Vous ignorez les valeurs trouvées tout à l'heure. Donc, un comme le vecteur, un comme la matrice, c'est ça, très bien. Donc, print 2.vv, oui, donc xv égale 8, c'est combien? Un b, allez, attendez là. B. Donc, c'est moins 2, 0 moins 2 qui est égal à combien? Est égal donc à moins 2. Ce n'est que deux fois. Donc, il s'agit de... C'est quoi? C'est... Deux. Moins de 0,2, oui. Là, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de chercher 2 fois V, c'est ce que vous avez fait. Et après, vous vérifiez est-ce que donc C, est-ce qu'il est constante fois NP dot V, c'est ça? Vous êtes en train de faire le produit matrice vecteur et vous trouvez le vecteur, vous le comparez. Mais si vous faites une petite instruction, donc C égale, c'est 2 fois 1 moins 1, 0 moins 1, c'est ça. Donc, c'est égal à 2. J'ai donné, c'est qu'est-ce que j'ai donné comme vecteur? J'ai donné vecteur moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1, ça veut dire c'est moins 1. Moins 1, ce qui veut dire c'est moins 2. C'est égal à moins 2. Le vecteur, c'est moins 1, 0, 1. N'est-ce pas? C'est égal à moins 2, c'est ça. C'est égal à moins 2. Ce qui revient aussi, il faut penser à autre chose. Regardez, vous avez calculé le produit et vous êtes en train de le vérifier avec le vecteur. Ça a été sous forme d'instruction. Ce qui revient à résoudre, quelle équation? Résoudre l'équation, donc la résolution d'une équation, c'est xv égale cv. Parce que comme en même temps, automatiquement, la constante c. N'est-ce pas?
Division, ou là, c'est ça, divisé par, ou, bon, divisé, donc c'est pas divisé. Parce que divisé par quoi? Divisé par la constante. C'est-à-dire divisé par la constante, très bien. Tu auras divisé par la constante, ce qui revient à multiplication par 1 sur C, d'accord? Ou la multiplication fois 1 sur C, est-ce qu'il égale à V? C'est une instruction. Une instruction, ça veut dire qu'il va faire la résolution de l'équation. XC égale CV, traduit comme donc la constante C, l'inconnue, d'accord? Ou bien ce qui revient à faire X fois V multiplié fois 1 sur C, ce qui revient à diviser par C, égale à V. C'est équivalent. Donc est-ce que diviser par C, parce qu'on suppose qu'on ne connaît pas, parce que C. C, vous voulez de le définir. En faisant le produit, le rétabli C égale à A moins 2. Vous me suivez pour les autres? Vous nous suivez, s'il vous plaît? Oui. Alors, j'aimerais bien avoir la réaction des autres, s'il vous plaît, tout le monde. J'espère que vous êtes là. Oui, parce qu'il y a un groupe là qui est en train de travailler, d'envoyer des réponses. Benzaïd, oui, Absi, elle est là depuis tout à l'heure. C'est-à-dire quelques-uns qui sont là depuis tout à l'heure, ils sont en train de faire les Yasmine. D'accord? Mais là, pour les autres, je ne sais pas. J'espère que vous êtes en train de travailler, de me suivre, s'il vous plaît, pour les autres. Soyez, oui, Abdelkader, oui. Donc, j'espère que tout le monde est là en train de me suivre. D'accord? Donc, Hadi, c'est une solution. Et il y a une autre solution qui est très intéressante. Elle est simple. Elle est très intéressante. Laquelle? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Tout à l'heure, on a fait, donc, on a calculé les valeurs propres, on a vérifié les vecteurs propres. N'est-ce pas? Une petite vérification pour dire que Hadaïssa des vecteurs propres, c'est que un a l'ensemble des vecteurs propres, un a l'ensemble des valeurs propres, ce qui revient à faire quoi? Parce qu'en général, chaque vecteur propre est associé à la valeur propre. Maintenant, lambda 1, on lui associe V1. Lambda 2, on lui associe V2. Lambda 3, on lui associe V3. Donc, pour dire que une valeur propre, donc on doit vérifier quoi? On doit vérifier x fois V1 égale lambda 1 fois V1. X fois V2 égale lambda 2 fois V2. X fois V3 égale lambda 3 fois V3. D'accord? Donc finalement, ce qui revient à NL 3, donc il faut respecter l'indice. Donc là, pour juste une vérification, dire qu'on a les vecteurs propres sont associés aux valeurs propres données, quel produit on va faire? Quelle instruction? Allez-y. Donc, on a comme les vecteurs propres, n'est-ce pas? On a comme les valeurs propres. Quelle instruction vous allez faire pour dire que, juste pour vérifier que ce que vous avez trouvé, Hada est un vecteur propre pour Hadi. En se basant toujours sur la notion, tu as x fois v égale lambda x vi égale lambda vi. On est obligé. C'est-à-dire là, si on veut vérifier, juste pour vérifier, le retour des valeurs propres et le retour des vecteurs propres. Maintenant, pour vérifier, pour toutes les valeurs propres. Pour la première, pour la deuxième, pour la troisième. Donc, écrivez l'équation que vous allez vérifier pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez vérifier? Oui, vous allez interpréter l'équation pour les vecteurs propres que vous allez calculer. Et les valeurs propres, on a seulement au lieu d'avoir C, un comme les valeurs propres. Ou un comme les vecteurs propres, vous voulez de les calculer. Donc, c'est vous l'instruction qui vous permet de vérifier ça pour les valeurs propres et les vecteurs propres que vous avez calculés tout à l'heure.
Allez, je vous demande donc de faire une petite instruction qui va chercher le produit, l'égalité. Vérifier est-ce que x fois vi égale lambda i fois vi pour tout i allant de 1 à 3. C'est pour les trois valeurs propres. Quelle instruction vous allez faire pour vérifier ça? Allez-y. Donc là, du point de vue programmation, allô, vous êtes là? Allô? Oui, madame. Et donc là, du point de vue programmation, qu'est-ce que vous allez vérifier? Vous êtes comme x fois vi égale lambda i fois vi pour tout i allant 1, 2, 3. On a trois valeurs propres. Donc, qu'est-ce que vous allez vérifier? Faites-le pour les trois valeurs propres, les vecteurs propres. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, vérifier x fois vi, mais n'oubliez pas, entre comme les valeurs propres, entre les vecteurs propres. Donc, on va créer une petite idée qu'il faut faire attention, donc je vais voir ce que vous allez vous rendre compte ou pas. Donc, entre comme les valeurs propres, entre les vecteurs propres. Là, on est en train de vérifier que les valeurs propres trouvées, les vecteurs trouvés sont des vecteurs propres de la matrice x associée aux valeurs propres lambda i. Alors, dis-nous un exemple. Rodou, quel produit vous allez faire? Donc, vérifiez-le, oui. Oui, donc x fois vi égale lambda i fois vi. C'est ça pour les trois valeurs propres. Donc, comment vous allez écrire les équations? Thank you.
Pas de réaction. Où en êtes-vous, s'il vous plaît? Parallèle égale à VI, égale lambda et VI. On a une valeur propre et un vecteur propre. Quelle instruction vous allez utiliser? C'est-à-dire calculer le produit. Calculer le produit XVI et calculer le produit lambda et VI. Mais il faut associer chaque vecteur propre à sa valeur propre, dans l'ordre. C'est tout. Tout à l'heure, on fait la multiplication, c'est ça. On fait la multiplication, on vérifie l'égalité. Tout à l'heure, on a calculé une valeur propre. Et on a calculé un vecteur propre. Donc, un des valeurs propres, un des vecteurs propres. Donc, on va faire juste le produit, mais on va le faire dans l'ordre parce que V1, merde, c'est une valeur propre à lambda 2. V2, merde, c'est une. Alors, Kane, vous êtes en train de faire, oui, le produit, mais n'oubliez pas que Kane a dit que l'instruction, la commande qui utilise NP. NP dot. C'est juste un besoin de code, oui. NP, c'est ça. N mat, ou bien carrément NP dot. Mat multiplication ou la dot. Dot à tecom. NP dot. NP point dot, XVI, for I et lambda, oui. Lambda fois VI, une A. Mm-hmm. Ou A, c'est quoi? MP, d'accord. Un besoin de code, oui. VI, I, for I. Donc, là, pour Abdelrahman, il faut préciser que I, là, pour I, I allant 2. Hmm? Donc, tout simplement, et allons de 0 à 2. Très bien. Tout simplement, et allons de 0 à 2. Alors, ce que je vous demande, redéroulez l'instruction np dot. J'allais vous faire une. Oui, redéroulez np. Redéroulez np dot. D'accord. Np dot, redéroulez la matrice directement x. On a pour calculer tout d'abord le produit. On a x fois, bien sûr, on a besoin d'une petite idée. Je préfère. Donc, on a juste une petite remarque. Juste une petite remarque pour attirer votre attention. Parce que là, c'est une, vous avez écrit ce qu'il faut faire, mais il faut faire attention à une petite chose. Alors, application, vérifiez-le pour la première valeur propre. Autrement dit, calculez-moi le produit dans la matrice soit le premier vecteur propre et lambda fois la première valeur propre ou le premier vecteur propre. Séparément. Je vois qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut attirer attention sur un petit point important. Dites le produit. Alors, ce que je vous demande de faire maintenant, dites le produit x fois le premier vecteur propre. Ou dites le produit, la première valeur propre ou le premier vecteur propre. Pour qu'on puisse comparer. On va aller sur vous. Je vais voir si vous allez remarquer quelque chose ou pas. Faites le produit x fois le premier vecteur propre et faites le produit séparément, la première valeur propre fois le premier vecteur propre. Faites les deux produits séparément. Dans un but bien précis, vous allez le découvrir. Allez-y. Donc, faites le produit de la matrice, soit le premier vecteur propre, et faites le produit de la première valeur propre ou le premier vecteur propre séparément. Allez-y. Dot, oui, dot mat, print mat, dot vect, oui, hein? Qu'est-ce que vous affichez? Hada, combien de résultats ici? 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, plutôt, هنا شحال 2 1 2 3 c'est ça deux résultats voilà هنا oui هنا يتعلق هنا qu'est-ce que vous remarquez est-ce que vous avez obtenu le même résultat est-ce que les deux vecteurs sont égaux non très bien très bien, très bien. Ils ne sont pas égaux. Donc, vous n'allez pas avoir l'erreur. Les deux vecteurs ne sont pas égaux. Très bien. Alors, pour, les, pour tout le monde, est-ce que vous avez... Alors, soumets la... je suis dans il y a un problème de connexion. Est-ce que tu as fait les calculs, Abdelkader? Son. Allô? Alors, Abdelkader, est-ce que tu as fait les calculs? Mirali, Mohamed, est-ce que tu as fait les calculs? Allô? Pas encore. Faites le calcul, s'il vous plaît, pour attirer votre attention sur un point très important, parce qu'après, il faut faire attention à la CP, pour le produit, pour ne pas écrire n'importe quoi. Donc, Fatima Absi, elle a fait les calculs, elle a récupéré donc deux vecteurs différents. Elle a, bon, le produit était c'est-à-dire correct, mais il reste à interpréter les résultats. Donc, on va voir le problème. Idir, alors, Idir, là, XV1, lambda V1. La même chose, donc vous trouvez que les résultats ne sont pas égaux. Oui. Mais moi, j'ai des coupures Internet. Ah oui, elle fait. D'accord. Donc, là, c'était bon que classe normale, ça y est. Pouvez-vous redire alors, Enfel. Enfel, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit calculer le produit, la matrice, fois le premier vecteur propre. Et le produit de la première valeur propre par le premier vecteur propre séparément et vérifier les résultats. Alors, c'est juste pour attirer votre attention sur un point. D'accord? Donc, je demande de faire le produit de la matrice X par le premier vecteur propre et faire le produit de la première valeur propre par le premier vecteur propre et comparer les deux vecteurs. Amaïs, oui, très bien. D'accord, très bien. La même chose. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que les résultats ne sont pas les deux vecteurs ne sont pas comment égaux. Alors, à votre avis, pourquoi? Tout à l'heure, quand je vous ai dit et quand je vous ai montré le calcul des valeurs propres, la commande qui vous permet de calculer valeurs propres et vecteurs propres, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que les vecteurs propres sont présentés sous forme de colonnes, n'est-ce pas? Donc, quand vous allez faire le produit, il faut prendre quel premier vecteur propre? Donc, si vous mettez V1, V0, il faut faire attention, il faut bien préciser Hada, le premier vecteur colonne. Ça veut dire tout d'abord, il faut prendre la transposée de V, de Hada le vecteur, la matrice l'ensemble de vecteurs propres. Mais si vous avez le premier vecteur propre en ligne, ensuite vous faites le produit NP dot X V0. D'accord?
Donc, tout d'abord, il faut passer à la transposée. À la transposée pour rendre le premier vecteur colonne ici en premier vecteur colonne en ligne. Ensuite, faire le produit matrice fois le premier vecteur propre. Est-ce que c'est clair? Parce que les vecteurs, quand, si vous mettez V0, V0, regardez s'il vous plaît, qui dit le produit, regardez, quand vous faites, alors je retourne là, les messages de Waco, quand vous mettez le 0, regardez ce que vous avez fait, avec V0, ça veut dire vous prenez le premier vecteur ligne. Si vous prenez le premier vecteur ligne, un VI, avec I, valeur propre, mais vecteur propre I, ça veut dire que vous avez le premier vecteur ligne. Le programme, le chat Takoma, je suis en train de suivre la fois, vous allez prendre le premier vecteur propre Takoma qui est en ligne. Or, le vecteur propre, avec le vecteur, plutôt le vecteur qui est en ligne, ne représente pas un vecteur propre. Le vecteur propre présenté en vecteur colonne. Heilig, là. Délanaï après, je préfère un def là. Donc, fichier taille, regardez s'il vous plaît. Vous me suivez? Regardez, l'ensemble des vecteurs propres peut être en colonne. La première colonne, c'est le premier vecteur propre. Le deuxième vecteur colonne, deuxième vecteur propre. Troisième vecteur colonne, le troisième vecteur propre. C'est comme ça qu'ils sont présentés vecteurs propres qui nous donnent la instruction. Donc, tu vois qu'ils nous donnent le produit quand vous faites NP dot V0. V0, la V1 ou la V2, quand vous faites le produit X, NP dot X, V0, vous êtes en train de prendre HEDA, vecteur ligne, AHTAHDU HEDA. Si vous prenez le premier vecteur ligne, il ne s'agit pas de vecteur propre. C'est pour ça qu'il faut que je connais les résultats erronés. Donc, tout d'abord, il faut calculer V, C, V. Allez, j'ai un peu lui associer la même notation pour écraser l'ancienne. V égale à transposé de V. Donc, HEDA, les colonnes et ou l'ouline. Les colonnes et les lignes. Dans ce cas-là, quand je fais appel à E0, V0, V1, V2, V3, V0, V1, V2, ça veut dire que je vais prendre les vecteurs propres, qui sont les vrais vecteurs propres. Donc, ce que vous avez pris, le produit TACO, n'est pas des vecteurs propres. C'est tout la première ligne de la matrice des vecteurs propres affiché. C'est ça. Très bien. Fais-tu l'idée? Fais-tu le problème? XV0. Oui, lambda V0. Donc, c'est ça. C'est ça, Arines. Donc, Shift B, mais cache l'égalité entre tous les vecteurs que vous avez calculés, même pour les autres. Tout simplement parce que les V0, V1, V2 que vous avez pris ne représentent pas les vecteurs propres, représentent les vecteurs lignes de l'ensemble des vecteurs propres que vous avez déterminés tout à l'heure. C'était ça l'idée que je voulais donc transmettre. Allô, vous suivez? Oui, oui, madame. Surtout l'erreur. Oui, madame, donc il faut prendre la transposée de vecteur propre. Exact. Donc, V, Marie, je voulais associer la même notation, c'est-à-dire vous écrasez l'ancienne variable en lui donnant le même nom. V, donc, vec propre égale vec transposé, point transposé, pour afficher les vecteurs propres. D'accord, en ligne, mais je quitte le I0 Hadi, ou bien il fallait faire attention que un autre V0 en tant que vecteur ligne, mais ça va être plus compliqué. Mais de préférence, on a la transposer tout d'abord, on va mettre les lignes qui sont bien sûr qui seront les colonnes de la première du premier affichage. Il faut faire donc attention. On clique comme dès le départ, oublie les vecteurs propres sont les vecteurs colonnes. Hadi un vecteur propre. Le vecteur propre. Donc, c'est pour ça, à travers cet exemple-là, on trouve qu'il y a deux solutions, d'accord. Comme le vecteur, c'est clair, donc le produit qu'il y a directement,
que vous avez déclaré le vecteur, c'était clair, c'est comme le résultat. Mais là, il faut faire attention. Pour une matrice donnée quelconque, traduire valeur propre, vecteur propre. Après, il faut faire attention, l'aider ou la transposer, mais je t'arrête en considération les vecteurs lignes. Ou les vecteurs lignes. Donc, ça veut dire que vous allez être en train de manipuler. C'est important parce que vous faites CPT comme quand vous allez résoudre l'équation, je traduis les axes principaux. Maintenant, c'est en se basant sur RV égale lambda V. RV égale lambda V. R, c'est la matrice de corrélation. V, c'est le vecteur propre. Lambda, c'est la valeur propre. V, c'est le vecteur propre. D'accord? Donc, maintenant, donc là, c'est très, très important. Donc, c'est pour ça que je voulais attirer. Alors, je vais vous donner quand même quelques exercices à demain. Je vais vous mettre le fichier pour le préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de faire une petite présentation. Tu as les variables pour interpréter quelques résultats. Donc, là, je vais la CP. Donc, là, le but de ce premier TP, parce que je vais vous donner directement la CP, n'a pas de sens. Là, je vais vous manipuler le camel haddo. Les premières fonctions prédéfinies ou la présentation Kamel, on va, au fur et à mesure, vous allez réaliser une ACP. D'accord? Donc, la prochaine fois, donc, s'il vous plaît, vous allez vous préparer à la présentation graphique. Je vais donc présenter donc, les variables dans une fenêtre qui va contenir plusieurs sous-fenêtres. Autrement dit, vous composez, vous partitionnez votre fenêtre en sous-fenêtres. Pourquoi? Parce que on veut comparer les variables entre elles. Donc, si on va les prendre par exemple deux à deux, donc on aimerait bien présenter x1, x2, quelques-unes, c'est-à-dire pour voir comment les choses se font. D'accord? Donc, imaginez, faites l'exercice, regardez. Représentez graphiquement les individus dans l'espace R2 des couples des variables x1, x5, x2, x6. Donc, à la présentation, j'aimerais bien qu'elle soit dans la même fenêtre pour que vous puissiez comparer la répartition dans les individus, d'accord, selon les variables. La première variable, cinquième variable, donc, on a deux à deux, quelques-unes. On va essayer de présenter, on va interpréter les graphes. Donc, on va essayer de voir la représentation graphique. D'accord? Ou dans une fenêtre, un graphe, un nuage de points, ou dans une fenêtre, présentation de plusieurs nuages de points. Donc, essayez-vous quand même de jeter un coup d'œil. On a de nous, bien sûr, à l'aide de l'application de la variance. Je vous demande donc de battre le compte pour que vous puissiez le préparer pour la prochaine fois. On a donc écrit une fonction qui calcule la moyenne empirique, la moyenne arithmétique adique. Des 8 variables. Donc, c'est pour ça qu'on a comme le cas un vecteur avec une matrice donnée, puis il y a 8 variables. 8 variables ou 3, 6, 11 individus. Du moins que vous allez faire à partir d'un programme. Je vais vous montrer en TD. En TD, vous allez perdre beaucoup de temps parce que les calculs, ce n'est pas notre but. Mais pour un TP, c'est faisable. Donc, on a une matrice 11 x 8. Je vais vous envoyer préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. On trouve donc une matrice donnée sur 8 variables observées sur 11 individus. On vous demande d'écrire donc un vecteur, une fonction qui calcule la moyenne arithmétique des 8. Maintenant, d'afficher les moyennes, dans les 8 variables. On va dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire après présenter. Donc, les 8 variables dans un vecteur qui va représenter le centre de gravité. D'accord? Parce que n'oubliez pas, le centre de gravité, c'est un vecteur qui est composé des moyennes arithmétiques de toutes les variables. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le but. Là, on vous demande de préciser juste ces chiffres après la virgule. Une autre fonction pour la variance, mal les écarts aussi. On vous demande aussi de calculer les coefficients de corrélation pour quelques-unes, x1, x5, x2, x6, 3, 7, 4, 8, pour faire une étude, pour comparer. Ou je vous fais aussi la représentation graphique. D'accord? D'abord, notre exercice, on peut le faire théoriquement. On m'a dit pour la schématisation, pour la présentation de l'Ontumaf NTP. Je vais vous envoyer quand même pour que vous puissiez préparer pour la prochaine fois et pour la séance présentielle, Inch'Allah. Donc, je vais vous envoyer le fichier. Je vais vous l'envoyer tel qu'il est.
معليش هذوك لي بيت نوتاسيون هذوك سوبليمونتير تاع الفهم الفقهاء جو في لي كاردي ما كاينش مشكل و لي كونيسي مي سي با غراف دونك حنا و زالي فوز انتريسي ا بارتير دو سا لي فيكتور بروب لو بروب لي فونكسيون ستاتستيك داكور هذايا سي تري امبورطون سي دونك فو فير اتونسيون à ce qu'on a vu aujourd'hui, ou vous préparez, Inch'Allah, pour la prochaine fois, les deux exercices. D'accord, vous me suivez? Deux et trois, Anam, deux, trois exercices? Bien, allez. Allô, bien, allez. Oui, madame. Merci, Tekbark. Est-ce que 2, 3, vous m'allez préparer? Les exercices 2 et 3, oui. Donc, 2 et 3, parce que la prochaine fois, on va se focaliser sur la présentation graphique, sur la présentation des vecteurs de corrélation, plutôt matrice de corrélation, vecteurs de centre de gravité des moyennes, la matrice des variances covariances. Donc, on va se focaliser un petit peu sur la CP. Donc, la CP qui s'applique sur les matrices données. Dans tous les cas, on a des manipulations matricielles, vectorielles. Donc, il faut quand même un petit rappel pour ceux qui maîtrisent les matrices et vecteurs, mais ce n'est pas grave. Après tout, il y a toujours des petites astuces, des petites techniques que vous, certains qui vous échappent. Qui vous avez découvert le module Statistics. Vous pouvez donc dire help au module Statistics. Il faut juste qu'on regarde les fonctions qui sont intimes pour le découvrir. Donc, on peut chercher la variance, la covariance en passant par statistiques, stat. On va donc je fais la présentation graphique. Donc, on va s'intéresser. Alors, pour la présentation graphique, bien sûr, Kainerik aussi la bibliothèque Matplotlib. D'accord? Vous la connaissez? Oui, très bien. T'as fait des présentations, plot ou biplot? T'as à foutre les présentations? Graphique. Je suis. Donc, vous allez préparer des exercices pour l'appliquer la prochaine fois, Inch'Allah. OK? Donc, dans quelques instants, je vais l'arranger. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, vous prenez. Bon, on a le bâton comme tel qu'il est. Donc, même les remarques que je vous ai données, là, pour la transposer pour le module statistique, parce que je l'ai préparé donc en détail. En fur et à mesure, je vais vous envoyer qui sont l'intéressant. Vers la fin, vous allez donc, pour que vous puissiez réaliser une ACP, un exercice complet. Comme un exercice complet qui sont un petit projet, dès je préfère présentiel, par binôme, dans la salle. Donc, on essaye de découvrir tout ce qu'il faut. En même temps, on essaye de voir, on chauffe à la présentielle de près avec un petit exercice détaillé directement avec la CP. D'accord? Vous suivez? Vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Allô? Vous arrivez oui, madame, oui. Ça va, Eric, vous me suivez? Parce que ATP ou Macash la présence, ça me paraît un petit peu bizarre, mais j'en essaie de faire avec. S'il y a un problème, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Hein? Ouais. D'accord, ok. Donc, je vais vous envoyer après la chie, vous le préparez, donc j'insiste sur l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3, d'accord? Ça va vous faire un petit travail, c'est un petit aider à aider les étudiants. Vous serez obligé de préparer. Il faut le préparer parce que si tu vois la présentation graphique, un nuage de points, comment elle varie d'une variable à une autre. C'est important parce que, comme on a présenté, regardez, la présentation, elle est importante. Pourquoi? Parce que maintenant, on a les lignes sur les individus. Donc, on a qui n'a pas x sur 1, 5. Allez. Qui est comme on a x1, 5. Oui, je m'entends. Alors, la première variable, la cinquième variable. Maintenant, on chauffe les présentations, les observations. Tu as la variable 1 et 5 sur les 11 individus. Parce qu'un individu, ça va être en x1, il y a 5. En x5, il y a 2. Donc, on a les caractéristiques en appliquant les variables x1, x5. On chauffe les deux variables sur les 11. On va comparer avec les autres couples où je trouve qu'elles varient les informations selon les variables. Donc, c'est pour ça.
Bien sûr, comme les individus, parce que l'espace est R2. Donc, si on veut R2, il nous faut deux variables. Justement, il faut faire attention. Je peux aussi vous demander d'autres questions. Qui est comme le nuage des individus, mais on a les individus vecteur ligne. D'accord. Donc, qui a deux variables. On a un individu avec deux caractéristiques. Donc, si je vais le présenter, je vais le présenter dans un espace dimension 2. J'ignore toutes les autres variables. Par contre, le cas de présenter tel qu'il est comme ça, je vais le présenter dans un espace dimension 8. Vous me suivez? Parce qu'un vecteur individu, ou le résultat, tu as les observations, tu as les variables. C'est les caractéristiques données par chaque variable. Maintenant, la matrice, elle est 11 fois 8, mais tu as 8 informations. Mais là, je puisse visualiser les résultats. On a préparé, donc ça, on vous demande de faire deux à deux. On a quelques variables. Parce que la visualisation déjà dans R8, ce n'est pas évident. N'est-ce pas? Donc là, je tiens quand même que vous le prépariez chez vous. Après l'interprétation. Parce que si vous ne préparez pas, il faut essayer de visualiser, de me présenter la prochaine fois les graphes. Comment ils vont se présenter, ou tu fais les variations qui vont être différentes, un couple, un couple de variables. D'accord? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, très bien, on arrête. J'espère que les autres qu'elle nous m'a, merci beaucoup, connecté ou absent, je ne sais pas. Oui, Yasmine. Donc, il y a quelques-uns qui étaient là présents depuis tout à l'heure. Les autres, malabellis, là, qu'elle nous m'a, laisse juste connecté ou je ne sais pas. Là, ils sont en train de le suivre sans réagir, sans participer, malabellis. Les autres, est-ce qu'ils étaient là en train de nous suivre ou pas? Mais qu'est-ce que la réaction, Bzaf? Mais qu'est-ce que la réaction? Vous êtes là, s'il vous plaît, mes friends? Lyon, ma couche. D'accord. XD. C'est-à-dire. Akoudéine, Ousmo. Entre parenthèses, Akoudéine, il a cité. Oui, Mélanie. Alors, Ousmo. De la section. De tout l'ACP. Nombre de. Une dizaine, une vingtaine, même pas une vingtaine. Vous avez réduit le nombre de personnes. De tout une ACP. Oui, de tout une ACP. De toute projection, moins de. Plus que 50%. Je ne vais dire, oui. Ok. JCP, exactement. Ok. Inch'Allah, bac, j'espère qu'ils vont récupérer les présentations. Là, je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'il faut faire attention le jour d'examen. Il ne faut pas. J'espère un petit peu après. Malabali, c'est qu'à chacun sa façon de travailler, mais l'interaction est toujours importante. Kissima ou Choufou, monsieur Kimari Kishoufou, monsieur Kimakissima. Les enregistrements, oui, par contre, ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas grave. Il faut profiter, je vous conseille de profiter parce que c'est un module, si vous le maîtrisez, vous allez cartonner, si vous ne le maîtrisez pas, vous allez le rater. Donc, parfois, on tombe sur des promos, là, vraiment, ils cartonnent. Parfois, c'est vraiment très bon, mais il y a des promos, mashallah, vraiment, c'était un plaisir. Donc, faire attention, essayez de profiter, s'il vous plaît. Inch'Allah, oui, essayez de profiter. Oui, il n'est pas difficile. Dès que vous faites le principe, là, il va être très, très facile. Il faut profiter.
Je vous conseille. Très bien. Inch'Allah, donc ça ira. Al-Muhim, si vous avez des questions, je suis là. Essayez de préparer les questions 2 et 3. Vous vous focalisez sur la présentation graphique, la présentation des nuages des points, parce que pas à pas, la présentation, la prochaine fois après, le présentiel, on va essayer de passer à la construction de l'ACP. Donc, on va t'envoyer, Inch'Allah. Agda? Ok, très bien. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Bon courage. D'accord. Abdelkader, soyez Abdelkader. Ok. Thank you.